Bonsoir et merci de votre fidélité à l'émission Territoire et Aménagement. Les érosions dans le pourtour de Brazzaville deviennent un fléau aux conséquences parfois dramatiques. Routes coupées, maisons englouties, conduites d'eau détruites. En tout cas, sur certains sites, le spectacle est proche de l'apocalypse. Mais qu'est-ce qui explique ces érosions? D'où viennent-elles? On n'a pas connu ce phénomène dans les années 70, 80, voire 90. Qu'allons-nous faire face à ce phénomène dont la résolution nécessitera un paquet de milliards pas facile à trouver par les temps qui courent? Pour les réponses à toutes ces questions, nous avons invité le coordonnateur technique des grands travaux, Monsieur Oscar Otoka. Il connaît au millimètre près les dimensions de tout ce qui se réalise ici dans cette maison. Monsieur Otoka, merci d'accepter notre invitation. Merci surtout d'accepter d'aborder avec nous ce sujet qui défrait la chronique depuis pratiquement le début de la saison des pluies. Michel Aubonne, à vous la première question. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir. Justement, comme l'a su le dire Jean-Claude, toute la périphérie de Brazzaville est presque touchée par ces érosions. On peut citer Kintélé, Ngamakoso, Masengo, Mvilou et même Yanga, j'en passe. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et qu'est-ce qui est à l'origine de ces érosions? Merci beaucoup. Effectivement, Brazzaville est en proie d'érosion depuis le début de la saison des pluies, comme on l'avait su souligner. Depuis que les pluies ont commencé, je constate qu'on a laissé beaucoup de place aux réseaux sociaux qui ont pollué l'atmosphère et les médias appropriés, qui sont les médias d'État, peu sont ceux qui sont venus chercher la réalité. Bref, mieux vaut tard que jamais. Une érosion, c'est d'abord une modification du relief d'un terrain. Et les causes sont subdivisées. Il y a des causes lointaines. Les causes lointaines qui sont les intempéries. Vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de changement climatique. On voit bien la Seine qui est débordée. On voit bien les routes coupées en Europe, en Amérique, aux États-Unis, en Asie. Et on voit bien en face de nous, à Kinshasa, le phénomène de glissement des terrains qui a fait une cinquantaine de morts. Ensuite, il y a le type de sol. Brazzaville Nord surtout, les sols sont sablonneux, les sols sont grainus. Et donc, au moindre courant d'eau, les grains se détachent les uns des autres. Et ces grains sont emportés par les eaux en cours d'écoulement. Et ces eaux provoquent le départ de ces grains qui provoquent donc des érosions. Mais plus immédiatement, il y a l'homme. L'homme qui s'est installé, qui enlève le découvert végétal, qui s'installe un peu de façon inappropriée, sans aménagement conséquent. Et tout cela fait que les eaux se concentrent en un seul endroit, ce qui se fait un chenal. Et ces chenaux sont les écoulements d'eau qui provoquent les érosions. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui à Brazzaville. Le quartier Simbapel, c'est bien des érosions. Voyez. Et les conséquences de Simbapel a été l'occupation du quartier dit tout pour le peuple. Donc les choses ont commencé bien longtemps, mais les techniciens aguerris, eux, ils savaient déjà ce qui pouvait se passer aujourd'hui, depuis bien longtemps. Depuis l'année dernière, vous avez apporté un début de solution à l'érosion de Ngamakoso, par exemple, c'est l'érosion qui défend la chronique aujourd'hui, mais vous n'êtes pas parvenu, pourquoi? Oui, l'érosion de Ngamakoso aujourd'hui est une érosion préoccupante parce qu'elle menace dangereusement la deuxième sortie nord, elle menace dangereusement le viaduc de Kintélé, elle menace surtout et surtout la conduite fiouissante de la SNDE qui alimente 60 à 70% de la population de Brazzaville. L'érosion est à 4 mètres de la route. En fait, c'est une érosion qui avait été signalée en son temps, dans les années 2007, à la Délégation générale aux grands travaux. Et le traitement approprié avait été apporté par l'entreprise Socofront. Malheureusement, la solution apportée ne tenait pas compte de notre incivisme. C'est-à-dire que c'était une solution par gabionnage.
les cages de gabions dans lesquelles on remplit des pierres. Et c'est ça, une solution souple qui épouse la déformation des sols. Donc, chemin faisant, les populations ont trouvé bon marché ces pierres qui étaient là pour faire leur fondation. Vous dites, vous parlez de ce coffrant parce que les gens ont jeté la pierre sur ce coffrant, on parle de son incompétence, donc c'est pas la faute à ce coffrant. Non, c'est pas la faute à ce coffrant. L'érosion avait été traitée, maîtrisée par gabionnage. Il s'avère que notre incivisme nous pousse à trouver bon marché les pierres qui étaient là. Et il n'y a pas que Ngamakoso qui subit aujourd'hui l'érosion par faute de l'extirpation de ces pierres. Je suis élu d'une localité qui a vu le traitement de ses berges par la même solution de gabionnage. Et quand je m'y rends à Moussaka, j'attire toujours l'attention de mes électeurs sur l'extirpation des pierres qui a commencé sur la digue protégeant les périphéries de Moussaka face aux inondations. Je le dis, ça se passe chez moi et je le dis que nous devons veiller à ça. C'est une solution efficace. Vous n'allez qu'à aller à Moussaka, vous voyez comment la périphérie de Moussaka est traitée. C'est une solution efficace. Malheureusement, elle n'accepte pas l'incivisme. Donc c'est ce qui a provoqué la récidive de cette érosion de Ngamakoso qui nous a été signalée encore dans les années 2015-2016. Malheureusement, faute de moyens, on n'a pas pu traiter cette érosion par les moyens définitifs qui sont la construction d'un collecteur en béton armé. Et on n'a pas pu terminer le collecteur, faute de financement. Et vous savez, un chantier d'érosion, lorsqu'il n'est pas allé jusqu'au bout, en une nuit de pluie, on peut tout emporter. Et c'est ce qui explique la récidive de l'érosion de Ngamakoso. Alors, on dit que les terrains sur lesquels sévissent ces érosions sont des terrains impropres à la construction et qu'ils ont été mal choisis. C'est un peu la faute au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on peut construire partout, sauf qu'il faut aménager. Donc, ce sont des terrains difficiles qui ont été occupés sans être aménagés. Vous voyez, c'est cette précision qu'il faut apporter. Il faut d'abord apporter les aménagements conséquents, les assainissements. C'est le même terrain quand vous allez au barrage hydroélectrique d'Imboulou. C'est le même terrain. Vous voyez, là-bas, il y a eu des aménagements conséquents qui ont été apportés sur la base vie. Oui, mais oui, dans le cas d'espèce, qui devait aménager? C'est quand même pas les populations. Dans le cas d'espèce, c'est vrai, ce ne sont pas les populations qui devront aménager ces terrains. Grosso modo, c'est l'État, mais l'État a beaucoup de composantes à l'intérieur. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat. Cordo, mais que pouvez-vous répondre aux langues qui disent que le gouvernement avait débloqué de l'argent pour tenter, je dis bien pour tenter d'éradiquer ce phénomène? Malheureusement, cet argent a été détourné. Vous savez... Que M. Otoka ne serait pas loin de cette opération mafieuse. Bon, justement, j'incrimine un peu les médias officiels de l'État qui ont laissé la place, qui ont été tétanisés par les réseaux sociaux. Les infrastructures coûtent cher, très, très cher. Et nous qui sommes les acteurs, lorsque nous prononçons les chiffres, les milliards, et tout de suite on s'identifie à ces milliards qui viennent soi-disant dans nos poches. Voilà un peu la triste réalité qui sévit au niveau du Congo. Aujourd'hui, par exemple, le kilomètre de route est évalué à 600-700 millions de francs CFA. Vous voyez, qu'on est habitué au milliard parce que c'est l'unité monétaire des travaux publics. Donc, et ça, c'est une route de 7 mètres de largeur, un trafic de type T2, 600 véhicules poids lourds par jour. Vous voyez, donc, quand on décaisse 2 milliards dans l'année, ça veut dire qu'on fait 3-4 km. Et si la route a une longueur de 100 km, la population entend qu'on a décassé 2 milliards. C'est beaucoup d'argent pour la population quand on considère à peine 2 milliards. Et si ça va dans la poche, réellement dans la poche de quelqu'un, c'est beaucoup d'argent. Et quand c'est destiné aux infrastructures, malheureusement, c'est 3-4 km seulement. Et une route qui fait 100 km, on a l'impression d'avoir décaissé beaucoup d'argent
et de n'avoir rien fait. Voilà l'explication à cette spéculation. Revenons un peu à l'érosion de Ngamakoso, qui est la plus spectaculaire, car elle menace à la fois la deuxième sortie nord de Brazzaville, elle menace le viaduc, elle menace même la conduite d'eau de l'ex-SNDE. Est-ce que vous nous confirmez tout ça? Oui. Tous ces ouvrages sont dangereusement menacés par cette érosion-là. Aujourd'hui, la société qui avait été commise, SPC, ses compétences, surtout matérielles, ne répondent plus pour éradiquer cette érosion. Même pas éradiquer, pour arrêter la progression de cette érosion. Parce que, ici, de signaler que, au Congo, nous n'avions pas encore les compétences ni physiques ni matérielles pour arrêter définitivement une érosion en 16 ans de pluie. Malheureusement, les érosions se traitent en saison sèche. On n'a que 3, maxi 4 mois de travaux. C'est en ce moment, au début de la saison sèche, qu'il faut concentrer tous les moyens physiques, matériels et surtout aussi financiers. Oui. Et c'est là où, à cette période, qu'il faut travailler nuit et jour pour terminer les travaux avant les premières pluies. Lorsque nous ne le faisons pas en saison sèche, on sait que tout ce qu'on a eu à faire comme début de travaux sera emporté en saison de pluie. Alors on dit que même l'université de Kintele est menacée par ces érosions, vous confirmez? Oui, même l'université de Kintele est menacée par ces érosions. Donc le terrain est... Cela ne veut pas dire que le site a été mal choisi. Ah bon? L'université de Kintele a un coût global des travaux de 241 milliards de francs CFA. 241 milliards. L'université de Denis Sassou Nguesso de Kintele. Voyez. Donc, dans les 241 milliards, naturellement, il y a les aménagements conséquents qui puissent assainir de façon définitive ce site où est construite l'université de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, l'État, par exemple, a décaissé jusqu'à 78 milliards. Donc, tant que l'intégralité des travaux ne sont pas exécutés, on n'est toujours pas à l'abri d'une érosion quelque part dans un site de travaux de... Et par la même occasion, pouvez-vous rassurer les élèves du lycée scientifique au domaine qui craignent que leur établissement soit emporté par une érosion là-bas qui prend corps après chaque pluie et les élèves sont dans la crainte totale? Tout cela demande des moyens financiers. Malheureusement, tous ces États sont depuis longtemps, belle lurette, je dirais 2015, en souffrance au ministère des Finances à cause de la situation financière dont nous tous reconnaissons. Alors, passons un peu de l'autre côté de Brazzaville. Quelle est la situation à Mayanga et à Mfiyou? C'est la même chose. Ce sont les mêmes sols dits Batiki. C'est la même chose. À Mayanga, il y a les pylônes de la SNE qui sont dangereusement menacés. Et à Mfiyou, les travaux, notamment laissés par l'entreprise SIG aussi, suite aux difficultés de financement, sont quasiment tout emportés. Et aujourd'hui, l'érosion menace même l'hôpital de Filou. Oui. Donc, la situation est la même partout où il y a des sols débattés. Et à Kintele, vers Ilunda, comment se présentent les choses? Là-bas aussi, il y a une érosion. Aujourd'hui, on peut clamer haut et fort que l'érosion de Ilunda a été maîtrisée. Ah bon? Parce qu'on a profité de la petite saison sèche. Les moyens sont arrivés à temps, le 5 janvier 2018, et on s'est tout de suite mis au travail. Et aujourd'hui, on peut dire que cette érosion est maîtrisée. Cette érosion a coûté à l'État congolais la somme de 507 millions de francs CFA. Alors que quand les travaux étaient arrêtés, il ne manquait que moins de 200 millions pour achever les travaux. Bon, le fait que les travaux furent arrêtés, et l'érosion a commencé à se former. Aujourd'hui, on a dépensé 507 millions de francs CFA. L'État avait payé le 5 janvier 2018 la somme de 500 millions de francs CFA. Mais M. Touka, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas arrêter ces érosions avant? Ça commence petit à petit et ça prend corps au fur et à mesure. Il n'y a pas une politique pour arrêter ça dès le début? Il faut attendre que les millions sortent, qu'on parle des millions à la fin? La seule politique pour arrêter une érosion, c'est d'abord prévenir. C'est d'abord aménager avant
les occupations. Il faut d'abord aménager les terrains avant que ces terrains ne soient occupés, apporter des assainissements conséquents. Lorsque ces terrains sont occupés, naturellement, les érosions s'accélèrent. Et quand ces érosions s'accélèrent, aujourd'hui, on ne fait face qu'aux pointes d'érosion, mais pas aux érosions de façon définitive. Sinon, les érosions de façon définitive, pour les éradiquer, il n'y a qu'une seule solution, ce sont les aménagements conséquents qu'il faille apporter, malheureusement. C'est l'unique solution. Malheureusement, ça coûte cher. Aujourd'hui, trois sociétés sont sur le terrain. Il y a la société SPC qui tient le front pour limiter la progression de l'érosion. Il y a la société Andrade qui n'est pas sur le terrain mais qui a préfabriqué tous les éléments de canalisation que la société CRBC est en train de poser. Ah oui, parce qu'Andrade, on le sait, a une grande expérience en matière de, d'érosion. Donc ces éléments ont été préfabriqués dans le cadre de notre chantier qui est la route nationale numéro 2. Et là-bas, les travaux étant aussi arrêtés, mais ces éléments étaient déjà préfabriqués. Nous avons sollicité d'Andrade pour nous céder ces éléments que CRBC est en train de poser. Sous peu, là aussi, les travaux seront bientôt arrêtés parce que le tracé du collecteur que CRBC est en train de poser se heurte à des expropriations dont le débit est en souffrance au ministère des Finances. Nous avons en urgence besoin de 98 millions pour dégager deux habitations qui nous permettront de connecter le collecteur de CRBC au collecteur fait dans le cadre de la deuxième sortie nord et passer sous chaussée pour récupérer toutes ces eaux et déverser vers le nouveau collecteur en construction. L'évaluation de tout ce périmètre a été faite. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est sur 98 millions dont le débit est en souffrance au ministère de Finances. Alors, monsieur le coordonnateur technique, je profite de votre présence à notre émission pour évoquer un sujet qui n'a rien à voir avec les érosions. Il s'agit des logements sociaux de Mpila. Tout est fin prêt, apparemment, quand on passe... C'est même éclairé avec des guirlandes, mais ces logements ne sont toujours pas habités. Pourquoi ? J'ai même écrit le pourquoi avec trois points d'interrogation. Alors, nous, la délégation générale aux grands travaux, nous avons fini notre travail en Pila. Sur 548 logements, le travail il est fini. En ce moment, il y a 548 logements habitables. Disponibles. 548 logements disponibles. Les 464 autres sont encore en cours de travaux par la société Wietek, la société chinoise Wietek. Maintenant, le reste, c'est la commercialisation parce que nous, grands travaux, notre travail s'arrête à la réception de l'ouvrage. La commercialisation, c'est d'autres entités de l'État qui s'en chargent et malheureusement, nous ne savons pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je dirais deux semaines environ, que le ministre en charge des grands travaux a reçu une délégation des sinistrés du 4 mars. Les gens de Kangambanzi. Les gens de Kangambanzi. Voilà, une délégation conduite par l'ancien maire Bokino. Il leur a donné l'information comme quoi bientôt l'État va procéder à la vente de ces logements de Mpila. Vous qui avez perdu les logements, essayez de regarder si chacun de vous peut s'intéresser à occuper un appartement moyennant la libération de son terrain. Ou alors poursuivre le programme immobilier sur les 48 logements témoins qui ont été faits. Et nous attendons cette réponse du comité des sinistrés de Mpila. En fait, on leur a demandé de quitter les ruines dans lesquelles ils vivent en ce moment pour aller prendre ces appartements. Et nombreux sont ceux qui hésitent, qui ne veulent pas des appartements. À ce moment, la solution alternative qu'on leur a proposée, c'est de voir le type de logements qui ne sont que 48, qui sont des duplex, où la personne dispose du sol, d'un rez-de-chaussée, du premier étage, deuxième, et ainsi de suite. Voilà.
Apparemment, selon les dires, hein, ce n'est pas encore officiel, nous attendons officiellement leur réponse. Selon les dires, ils semblent être beaucoup plus intéressés par ce type de logement que par les appartements. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils reprochent aux appartements? Bon, vous savez, chacun de nous a un parent sinistré qui vit Kangambandi. La réponse officielle, nous ne l'avons pas encore. Mais sinon, de façon sinon, de façon officieuse, ce qui se dit, c'est que le Congolais n'est pas habitué à vivre dans les appartements. Où est-ce que nous allons faire nos conseils de famille? En cas de veillée, où est-ce que nous allons les faire? Et ainsi de suite. Patati, patati. Où est-ce que nous allons piler le sac à sac? Exactement, il y a tout ça. Et donc, en ce moment, on attend la réponse définitive des riverains de... Le comité, on les a conduits là-bas. Il y a eu une visite guidée de tous ces logements-là. Ils ont apprécié que le quartier qui se modernisait, malheureusement, très peu sont ceux qui se ruent sur les appartements. Nombreux préféreraient les duplex. Et donc, ce sera un programme à poursuivre. Monsieur le coordonnateur, parmi les techniques pour faire face aux inondations, aux érosions, on parle des bassins de rétention d'eau. Qu'en est-il exactement? Bon, effectivement, c'est une technique qui peut amener à arrêter les érosions. Et il faut que le terrain soit suffisamment dégagé. Cette technique s'utilise beaucoup plus en rase campagne où les terrains sont libres. Dans le cas d'un aménagement urbain, les bassins de rétention doivent d'abord être protégés. Pour éviter des noyades. Pour éviter des noyades. Et il faut qu'il soit suffisamment grand. Il faut qu'il soit suffisamment dimensionné pour contenir toutes les eaux. Parce que c'est les villes, les localités urbanisées qu'on rencontre beaucoup plus une concentration des eaux. Et s'il faut appliquer la technique par bassin de rétention, il faut que les bassins soient suffisamment grands et c'est ce qu'on n'a toujours pas d'espace en ville. Et monsieur Otoka, par rapport à nos populations, hein, pour éviter, pour déverser de l'eau des pluies dans les ruelles, on a pris l'habitude de faire des gouttières. Ces eaux, parfois, ça crée des érosines dans des quartiers, des érosines qui entraînent aussi des érosions, peut-être un appel à la population. Bon, au fait, les gouttières provoque une détérioration des sols de façon localisée, là où la gouttière déverse l'eau au sol. C'est à cet endroit-là. Mais les eaux de nos habitations sont toujours appelées à prendre une canalisation quelconque. Si elle n'est pas, les eaux prendront la rue, elles vont se concentrer quelque part et provoqueront toujours des érosions. Donc, incriminer les gouttières, je dirais non, non. Parce que l'eau dans une parcelle est toujours appelée à sortir, Sauf dans le cas des terrains sablonneux, dans le cas des aménagements apportés préalables à l'occupation, on peut être amené à définir des espaces d'occupation plus grands. Au lieu de faire du 20 x 20, on peut faire du 40 x 40. À ce moment, chacun peut ériger dans son terrain un puits perdu pour contenir la surface, les eaux provenant des surfaces habitables. Donc voilà un peu ce qu'on peut, c'est une solution, on peut aller vers là. Les terrains qui sont en colline, qui soient suffisamment grands pour que chacun puisse contenir les eaux dans son domaine. Alors face au phénomène des routes coupées, monsieur le coordonnateur, les populations s'en prennent généralement aux grands travaux en disant vous avez construit et vous avez disparu. Et derrière vous, il y a des catastrophes. Qu'est-ce que vous répondez? Malheureusement, notre objet social s'arrête à la réception, à l'inauguration d'une route. Au-delà, lorsqu'il s'agit des routes interurbaines, c'est le ministère de l'entretien routier, sur le financement du fonds routier, qui prend le relais de l'entretien. Et quand il s'agit des voiries urbaines, ce sont les communes des localités qui doivent prendre le relais. S'agissant des localités, je n'ai toujours pas oublié que on en avait déjà parlé et je revenais sur la taxe de roulage que nous n'avons jamais perçue ici aux grands travaux. Une taxe de roulage, elle sert à entretenir les voiries. En ce qui concerne les routes interurbaines, il avait été mis en place un fonds routier
alimenté par une quotité sur les hydrocarbures. Donc chaque fois que nous payons le carburant, il y a, je ne sais pas si 5 ou 10 francs qui doivent aller à l'entretien de la route. Malheureusement, le mécanisme de recouvrement fait que ces fonds ne reviennent pas toujours à temps au fonds routier, qui est en panne sèche, disons-le. Ce sont les amis, on y discute souvent. Aux dernières nouvelles, on me disait que depuis 2014, le fonds routier n'a plus jamais été alimenté pour entretenir les routes. D'où les routes sont abandonnées à elles-mêmes, alors qu'une route, chaque année, doit être entretenue. C'est ce qu'on appelle l'entretien courant. Et chaque 5 ans, il faut apporter ce qu'on appelle l'entretien périodique. L'entretien périodique, c'est commencer à boucher les nids de poules, réparer les épaufrements de rives qui existent. Commencer à entretenir durablement la route avant qu'on en arrive à un renforcement. Quand toutes ces opérations ne sont pas faites, naturellement... Et vous voulez en fait nous faire comprendre que les grands travaux n'ont pas pour vocation de réparer des routes cassées. Les grands travaux interviennent dans les travaux dont le coût dépasse déjà le milliard de francs CFA. Voyez. Or, l'entretien d'une route, c'est quelque chose de courant. Il faut élaguer, il faut faire le cantonnage. Ce ne sont pas des opérations qui coûtent des milliards. Donc, si le fonds routier est réellement alimenté, le ministère des TP peut s'en occuper et c'est de leur compétence. Donnez-nous l'occasion, M. Oscar Otoka, de donner une conclusion alors sur les érosions. Comment peut-on conclure cette émission? Les érosions, c'est un phénomène qui s'observe partout. Il n'y a pas que Brazzaville, il n'y a pas que Brazzaville Nord. Au Congo, on peut citer plusieurs villes qui sont menacées par les érosions. Pointe-Noire, Mongo-Kamba et Matumbi, Nkayi, Gomboma. J'ai suivi même beaucoup qui est menacé par les érosions. Cela relève d'abord de la politique d'occupation des terrains. Il faut une politique conséquente. Une érosion, ce n'est pas l'affaire d'une administration publique. Les autres administrations publiques, qui chacun doivent concourir dans l'aménagement, dans la distribution, dans la défense du domaine public, doivent s'y atteler pour résoudre définitivement ce problème d'érosion. Nous courons généralement derrière une catastrophe. Mais on s'y met très peu pour prévenir. Mettons-nous tous ensemble, toutes les administrations, mettons-nous tous ensemble pour essayer de éradiquer définitivement ce problème des érosions à travers des solutions techniques qui sont connues. Voilà un peu le cri de cœur que je lance. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tous. Et en sus de tout ça, les érosions, c'est d'abord aussi une catastrophe naturelle. Merci, M. Oscar Otoka. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur technique des grands travaux. Le thème de notre entretien, c'était les érosions dans le pourtour de Brazzaville. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je rappelle que l'émission Territoire et Aménagement est diffusée le lundi à Télé-Congo autour de 21h. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube si vous voulez. Au revoir et au prochain numéro.